Que faut-il retenir du reste de l'actualité? Tour d'horizon de l'information vue par les différentes rédactions d'Euronews. Los vecinos de Tossa de Mar en la Costa Brava catalana no habían visto nunca algo así. Notre rédaction espagnole évoque les conséquences de la tempête Gloria, en particulier en Catalogne. Des images impressionnantes, comme ici dans la localité de Tossa de Mar, où l'écume de mer a envahi les rues. La tempête, qui a perdu de son intensité, a fait au moins 6 morts et 4 disparus en Espagne. Il y a également d'importants dégâts pour le secteur agricole. Comme esta en el puerto olímpico de Barcelona. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στις κινητοποιήσεις με αιτήματα που αφορούν το προσφυγικό σε Λέσβο, Σάμο και Χίο. Notre bureau à Athènes évoque les tensions liées à la crise migratoire sur les îles de Lesbos, Samos et Chios. Les habitants dénoncent le projet du gouvernement de créer des structures fermées pour les migrants avec une capacité d'accueil renforcée. Ces établissements remplaceront les principaux camps déjà existants et surpeuplés. Die Dieselaffäre hat für den Autobauer Daimler noch weitreichendere Folgen als bisher angenommen. Et puis notre rédaction allemande revient sur le Dieselgate, l'affaire des moteurs diesel truqués dont les répercussions se font toujours sentir près de 5 ans après. Le constructeur automobile Daimler a annoncé que ses résultats pour 2019 seraient en dessous des attentes en raison de charges supplémentaires liées au scandale, notamment des procédures administratives et judiciaires. Ces charges qui plombent un peu plus les finances de Daimler déjà en berne. Mercedes durchführte sogar mehr Stickoxide ausgestoßen, als es vor dem Update der Fall war.